nimmt nur dann einen harten Zugriff als gerecht an, wenn er von Menschen durchgeführt ist, deren Blutopfer und deren Tapferkeit auch bei Ablehnung dieser Organisation selbst vom Gegner als unzweifelhaft sind. Eine Il avance à une vitesse, le russe. Ouh là, oui. On est dans la merde. Ton pétrole, il remonte un peu. Ouais. Tu peux annuler les accords, hein, si t'as... Ouais, avec toi. Bon, je suis en train de poser des bases aériennes à la frontière allemande, hein, et italienne. Ouais. Non, apparemment, il y a l'Américain qui donne plus de pétrole au Japonais. Il vient de me proposer beaucoup de ravitaillement. Oh mon dieu, on est en octobre 41. Il va y aller, le Japonais. Ouais. Bon, moi, je vais commencer la production de sous-marins. Hein. Le russe n'arrive pas à alimenter son industrie de guerre. 1000 pp, et des fois, il tombe à 500. Ah ouais. Ouais, il a perdu quand même. Enfin, faut attendre que tout ce qu'il avait, Bakou et tout là au sud, revienne. Hein. Ouais, ouais. Oh, 179 pétrole, Bakou produit. Putain, oh là là. Ça, c'est fat. Ah, il a repris Stalingrad, l'Allemand. Ah, yes, je te dis, c'est pas fini. Il a fait une petite poussée, là, regarde, il y a une petite contre-attaque monstrueuse. Enfin, très longue. De Gaulle vient de finir la doctrine de fer de lance blindé. Ah. Je vais bientôt être inarrêtable, hein, au niveau blindé. Rassurant. Ça va, on est qu'en décembre 41. Ouais. Il s'en est passé des choses à l'Est, hein. Putain. Le Russe peut venir, hein. Je l'attends. Oh, l'Indien a une division blindée. Pas mal. Deux divisions blindées. Putain, d'où il sort ça, ce singe? Bah, il a 40... Ouais, 82 pp, 42. Putain. J'aimerais bien monter mes pp aussi, tu vois, j'en ai que 182. Ah ouais, j'en ai 100 plus que toi, mais bon, ça veut rien dire. Plan de recherche, consacrer un budget élevé. Ouais, allez, moi aussi, 5900, tant pis. J'avais 3900. Là, ça vaut le coup d'investir sur le long terme, maintenant que j'ai survécu... Merci à l'argent allemand pour toi. Ah ouais, bah grave. Moi, je suis quand même tombé à moins 4000 de thunes. Les Allemands ont changé Enigma. Notre détection va être réduite. Merde. Alors ça, rien à secouer. Grave. Japon a déclaré la guerre à Pays-Bas, USA. Japon nous a déclaré la guerre. C'est parti. A déclaré la guerre, oui. Sans avoir... Oh là là. Ok. Alors, il y a le Népal qui m'a envoyé toutes ses troupes. Okay, le Bhoutan qui m'a envoyé toutes ses troupes. L'Inde m'a envoyé toutes ses troupes. J'envoie 6 divisions en Extrême-Orient dès que possible. Je vais défendre l'Indochine. Le Japon semble n'avoir aucune pitié. Ouais, je l'ai aussi. USA a déclaré la guerre à Tanu Tavu, il est en guerre contre le Russe aussi. Oh là 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 là. Oh mon dieu. C'est bien pour nous, ça. Grave. Les États-Unis entrent dans l'Alliance. Il était temps, je suis né. Putain, pourquoi j'arrive pas à réapprovisionner mes troupes? Rangoon. Putain, il est déjà... Comment? Il a débarqué là, ce con, hein? Putain, il a débarqué en Birmanie. Le Japonais? Ouais. Oh putain, ouais, oh là là. Ennemi à, putain, 6 divisions japonaises. Où ça? À Haiphong. Ah ouais, ah bah oui, bah c'est normal qu'il... Ah, puis on est en guerre contre le Siam aussi. Putain, il s'est directement allié. C'était une pupette, le Siam. Je vais débarquer des troupes... Oh putain, je sais pas comment je vais tenir ça. Allez, Saigon, hors de portée, what the fuck. Redéploie, nom de Dieu. Redéployer, Saigon. Faut pas que je tombe sur des navires... Tu peux ramener ta flotte à Gibraltar, à Singapour, et patrouiller dans ce coin-là. La mienne... Ouais. Oui, voilà. c'est le coin important à tenir. Et à verrouiller. J'envoie des avions. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, moi je vais aller, je vais envoyer mes bombardiers navaux aussi, je les retrouve. Ils viennent de sortir des chantiers. Et puis dans... Ah, demain j'ai 30... sous-marins qui arrivent. 30 wow. Ouais, j'en ai construit 30 en une fois. Des modernes en plus. Tu sais où les envoyer, hein. Dans le Pacifique. Ouais. Ah, mon ravitaillement, comme il a explosé. Tu m'étonnes. Ça coûte cher. Ouais, ouais. Mais bon, ils vont être utiles, ces sous-marins, donc je me fais pas de soucis. Hanoï tombé aux mains de Japon. Oh là 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 là, il va vite. Je vais pas réussir à tenir... L'Indochine. Ouais, ouais, bah je peux envoyer mes avions à Singapour, c'est bon? Oui, oui, Singapour est safe pour l'instant. Super. Tiens, il faut bétonner Singapour, hein. J'ai mes tacs qui arrivent. Oh, j'ai même mes BEP aussi, parfait. Oh yes, j'ai mes navires de débarquement qui arrivent. Oh, ça va se jouer à rien. Allez, boum, 6 divisions. Oh, il a débarqué, salaud. Hors de portée, va te faire foutre. Personne n'arrêtera l'armée française.
Putain, le japonais, il m'impressionne là. Il est pas aussi bon que moi. Attaque au sol. Allez, que la fête commence. Ouais, il faut aussi que j'envoie mes tacs. Le problème, c'est qu'il y a la menace rouge, tu vois, qui, qui pèse toujours. Et moi, ça m'inquiète un peu. Putain, mon ravitaillement a explosé maintenant que je suis parti en... Étonnant, hein. Ouais. Oh putain, il y a une flotte jap qui est en train de s'en prendre à tes cargos. Je sors ma flotte. Ah là, c'est bon. Oh, j'ai perdu un cargo. Ça va tenir à Singapour? Oui, oui. T'es sûr? Mais c'est des troupes taille. Ok, bah je dis à un tac de faire un peu ouais, de ménage. Ouais, c'est bon. Ouais, on voit les... J'ai aussi les miens de tac, mais ils sont pas encore assez ravitaillés, en fait. Ok. Mais tu mets au minimum, là-bas. Non, mais ils ont vraiment rien, en fait. Tu t'attaques avec 1%, tu t'en fous. Voilà, c'est bon. Voilà, ennemi repoussé à Kuala Lumpur. Bien. Là, oh putain, il a pris les deux princes les plus riches en matière stratégique là. Ah bah ouais, hein. Va falloir reprendre. Hein. J'y vais maintenant. Il a de l'infanterie 36 avec. Bon, moi je vais commencer à attaquer, reprendre le terrain perdu. Si t'arrives à jeter un coup d'œil sur le russe parfois. Moscou va tomber, il a repris la Crimée. Putain. Oh, ça fait le café. Le Thaï il aime pas, mais. Oh mon dieu, c'est du viol. Ah ouais, j'ai les troupes népalais. Putain, mais. Oh, la quantité de troupes qu'il a, le Népalais. C'est bien, hein. Et puis le Bhoutanais, il a le Bhoutan, 5 divisions. Eh. Et puis de la 39, hein. Parce que le Japonais est en train de prendre les îles néerlandaises, hein. Je sais, j'ai vu, mais ça, je peux pas trop m'y opposer. Ah, mais le Néerlandais... Ah, attends. Il faut qu'on aille soutenir le Hollandais, là. À Doumaï. J'ai rien, moi, hein. J'ai que 6 divisions et elles sont engagées en Indochine. Avec tes bombardiers. Ah, mais mes tacs, ils sont déjà utilisés chez toi. Ah, non, il y en a plus besoin chez toi. Ouais, justement. Ouais. Attaque au sol, Malacca. Ouais, je les redéploie à Singapour et je vais taper le japonais à Doumaï. C'est bon, on a détruit l'unité japonaise. Oh, putain, déjà. Ouais, wow. Qui était. Ouais, bah c'est mes tacs en fait. 4 tacs contre une unité 36 sans rien. Victoire, tiens, ça fait plaisir de voir un truc de victoire de temps en temps. Pourquoi je dois me battre à l'autre bout du monde? Ah putain, moi c'est dur là, je suis pris par surprise en plus. Alors qu'on l'a vu venir quoi, mais. Ouais, c'est un peu ça, on n'a pas le temps de. Ouais. Je vais prendre toutes les divisions bhoutanaises et népalaises, puis je vais les envoyer en Birmanie, hein. Mais surtout, c'est des unités britanniques, tu sais. Elles ont le drapeau britannique et tout. Ouais, je sais. Avec l'orgue britannique. Oh, accord comme ça avec l'allemand, ils vont pour le principe. Ouais, pour l'aider contre, ouais. Contre le Popov, hein. Ça vous ferait chier d'attaquer au bon endroit, vous, singe? Par contre, je vais pas envoyer mes blindés dans la jungle birmane, hein. Non, moi non plus, ils sont restés en France. Pour l'instant, enfin, les blindés indiens, plutôt. J'ai que de la bifle pour l'instant, moi. De la bifle. La bifle, ouais. T'aimes bien, hein, ce mot, hein, bifle, hein. Ça me rappelle des souvenirs avec toi, que veux-tu? Oh. Quoi? Pas en public, on avait dit. Ah, pardon. Bon, le Popov, il en est où? Putain, l'allemand, et ça se réduit comme peau de chagrin, hein. Ouais. Roosevelt veut une Inde libre. Ah! Ta gueule, enculé. T'es emmerdé, là, hein? Bah, en fait, elle est déjà libre, hein, l'Inde. Enfin, c'est un état satellite, mais bon. Moi, je suis en train de repousser le Thaïlando-chinois hors de Birmanie, là. Ouais, pareil, je tape. Ah ouais, toi, t'as débarqué combien de divisions, là? 6 pour l'instant. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a la flotte grecque au large de Brunei. J'ai une sacrée armée japonaise en Indochine. Ouais. Oh putain, ce qu'ils font du bien, ces tacs. Oh là 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 là. Yeah. Le Soudan s'agite dangereusement. Ah. Voilà, j'ai récupéré les deux provinces qui rapportent quasiment 70 de matières précieuses. Ouais, pour ça que tout d'un coup j'en gagnais plus autant. Par contre, c'est le pétrole là que ça me suce. Ouais, moi aussi. J'en perds 340. 340 ouais. J'en gagne moi, mais plus que 43 quoi. Il a qui est Fleurus. Putain. L'avantage c'est qu'on a encore la supériorité aérienne totale. Ça c'est chouette. Ouais. Allez, mange ça. Oh mon dieu, mais les tacs sont abominablement efficaces. Ma flotte de sous-marins est prête. Bon bah, tu sais où l'envoyer, hein. Taper le long des côtes chinoises et l'Indochine. C'est ce que je vais faire. Choper les... 30 sous-marins. Ça devrait faire le café. Oh, il y a 6 divisions japonaises, c'est trop... Putain, mais comme je perds de l'orgue dans la jungle. Ouais, c'est pour ça que j'envoie que de l'infanterie, parce que... Ouais, bah moi aussi, mais bon, quand même. Oh là là, oh là là, oh là là. Je viens de couler une flotte de débarquement japonaise. Ah, génial.
Je marche Il y avait 15 cargos quand même. Je marche sur Bangkok. 15 cargos, waouh! Ouais. J'en ai coulé 4. Vivement que mes renforts arrivent. Putain, 1 km/h. Je déteste me battre dans cette région de jungle. Ouais, c'est horrible. Même pas la peine de penser à envoyer des chars, tu sais. J'attends avec impatience mes 6 divisions fraîches pour attaquer de nouveau. Je suis en train de souiller un nombre effroyable de divisions japonaises. Oh putain, je suis en train de perdre moi ici. Aïe 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 aïe. Où ça? Non, enfin pas perdre, mais il me contre-attaque méchamment. Il a beaucoup de troupes en fait. Ouais, je suis en train de... J'ai de la troupe qui bat en retraite. Attaque au sol. Hors de portée, va te faire foutre! Ah, il a débarqué à Palawan, aux Philippines. Bon, je remballe ma flotte, hein. Pourquoi? Parce qu'elle me suce trop d'essence! Oh là là, pide. Encore des cargos japonais détruits. C'est long de faire le tour du monde. Ah ouais, hein. Étonnant, hein. Ouais. Je remonte sur la péninsule thaïlandaise, moi. Vas-y, vas-y. Moi, je suis déjà à Bangkok, là, quasiment. Putain, mes renforts, ils vont arriver juste pile poil pour être engagés directement, quoi. Allez, 6 divisions en fort! Ça, c'est bon, putain. Avec ça, je pourrais le contre-attaquer sérieusement. Oh là là, le russe avance à une vitesse, surtout dans le sud. Ouais. Il va bientôt arriver chez l'Austro-Hongrois. Oups là, ça c'est pas bon. Et voilà, je rentre en Thaïlande. Bien. Ah, exact, je vois tes ouais. tes légions. C'est des Indiens, des Népalais, puis il y a quelques Anglais avec. Oh, mais qu'est-ce que ça va long de bouger dans le désert, dans la jungle. Putain. Et oula, t'as des unités encerclées. Ouais, mais c'est bon, c'est... Ah, c'est bon. J'avais prévu le coup, figure-toi, quand j'ai vu que j'allais me faire encercler. C'est bien. C'est bien aussi, le Hollandais est en train de reprendre son île. Parfait. Donc il va faire perdre du ravitaillement, enfin, du pétrole et des matériaux stratégiques aux Japonais. Ah, mais le Japonais, sans toute l'Indonésie, là, il va souffrir, hein. Bien sûr. Il a pas, il va pas, il a, pouvoir, il a, il va pas pouvoir mener sa guerre. Il n'a pas les moyens de faire la guerre. Déjà là, avec ce qu'on lui met. Ouais. Est-ce que c'est fat d'avoir les deux technologies terrestres, les deux arbres? Oh, je développe les deux en même temps. Je vais avoir des unités surpuissantes. On va souiller le Siam. Ouais. Je vais me dépêcher de prendre la péninsule, là, parce que c'est là où il y a tout le matériau stratégique. Ouais. Ah, grave, hein. Parce que je lorgne dessus, hein. Ah, bah, c'est trop tard. C'est à moi. Mon précieux. Ouais. Oh là, ma demande de ravitaillement. 65 sur 180, quand même, hein. Ouais, je dois nourrir, hein, toutes ces troupes en Extrême-Orient. Putain, ils peuvent pas manger de la boue, des lianes. Ouais, bah, comme les Japonais, quoi. Voilà, comme les locaux, quoi. Putain, eux, ils ont besoin de conserves. Ouais, c'est ça. De thé, de leur petit confort, là. Putain c'est des soldats ou des lavettes. Putain de rose beef, tu sais. Ouais. Je précise qu'il y a les troupes du grec hein, qui m'aident. Hein. Où ça? En Indochine. Ah ouais? Ah, t'es Jack, c'est le bef? Ouais. Putain, toi, c'est des armées de mercenaires. Bon. Tu me diras, moi au nord, là j'attaque là où je vais envahir la province du Shan State, j'ai 6 divisions. Ouais, c'est vrai. Mais c'est 3 Népalais, 3 et 4 Indiennes. Ouais, mais ils sont bons, hein. Bah, c'est des divisions britanniques. Bon, le japonais a pris cher, hein, là. Oh, en débarquant, j'ai forcé la flotte du Siam à sortir. Où ça? À Tanburi. C'est où ça? Oh, ils nous donnent 16 de pétrole. Ah ouais. Ah, salaud, t'arrives avant moi, là. Et j'ai débarqué, je suis allé plus vite. Ouais, bon, il n'y a pas énormément, donc ça va. Attends. Il y a juste de l'acier. Il y aurait eu des plages à Accra, j'aurais débarqué à Accra. Ouais, mais trop tard. Ouais. J'aime bien la petite guéguerre, tu sais. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, hein, c'est... Ouais, ouais, c'est le petit coup de bite, tu sais, genre, ah ouais, regarde. Ouais. J'ai une industrie de guerre à financer, moi, monsieur. Bah, moi aussi. Oh, tu parles. Tu cherches des baffes ou bien tu veux qu'on en discute? Des bifles, je veux des bifles. Des bifles, tu veux des bifles. Putain... Siam? Paix? Avec qui il a fait la paix? Bah, il me l'a dit avec moi. Attends. France a signé la paix avec non, Siam. Non, je lui ai pas demandé. USA a signé... Ah, c'est l'Américain. Ah, c'est un event. Ouais, c'est un event, ouais. Siam a vécu l'événement, Siam se rend. Voilà. Non, on doit lui rendre toutes ses provinces. Oui. Putain, culé. Ça, c'est encore un coup de la juiverie internationale, ça. Oui, ils sont partout, même chez les Japonais. Putain. Je vais pourrir ce qui reste de l'armée japonaise, hein, tout simplement. Ouais, moi aussi, là, je suis en train de... Il y a 5 divisions prisonnières, là. Oh, bah, il fuit déjà. Il fuit au contact. Il m'envoie de la milice. Il a mobilisé l'armée impériale. Putain, l'Américain qui est arrivé en force à Hong Kong, hein. Oh! Qu'est-ce qu'il a tout mis à Hong Kong? Oh! Là, 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 c'est que des avions. Le Russe arrive! Et merde. On est dans la merde. Mmh. On est dans la merde.
On va prendre une rousse, hein, moi j'ai l'impression. Non. Putain, pour l'instant, je coule des crottes aux Japonais, je coule pas de gros navires. Ouais, j'ai coulé. J'ai pas eu de grosses batailles navales, ou alors je les ai loupées. Bon, j'ai quand même une bonne armée. J'ai une très grosse armée face aux Russes. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas de manpower, donc je suis économe avec ma manpower, j'essaie. Putain, il y a des bombardiers austro-hongrois en Inde. Je te dis, j'ai des troupes grecques sous mon commandement en Indochine. C'est l'ONU là. Limite. On tente un débarquement à Vladivostok ou bien? Ouais, d'abord on va se débarrasser du jaune. Hein. Oh putain, il a aussi débarqué une masse de troupes aux Philippines. Hein. Ouais, mais il y a aussi l'Américain aux Philippines. Ouais, ouais, non, mais oui, non, mais je dis le Japonais, l'Américain. Ah ouais. A débarqué une masse de troupes effroyables. Le Japonais est mal, hein. Ah ouais, on l'a complètement baisé là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bien joué, les gars. Je me dis, je vais commencer la recherche pour avoir la bombe atomique, mais ça coûte tellement cher les réacteurs que. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est de la dope. En bah, fait... te bombarder après pour te forcer à changer de gouvernement. T'es bombardier stratégique, il te faudra les fusées d'ici là, mon pépère. Hein? Il te faudra les fusées d'ici là. Bon, ça va vite à développer ça. Il y a 3 divisions manchoues, je vais tenter un débarquement osé. Où ça? Au nord? À Hainan. Hainan. Ah, sur l'île. Ouais. Putain, ils se battent bien, hein. Il faut leur reconnaître ça. Hein. Les Japs? Ouais. Parce que là, ils ont tout le monde connu sur eux, quoi, à part les Russes. Ouais. Putain, il y a des bombardiers espagnols qui sont là aussi. Ah bah ouais, c'est mon chien, je te rappelle. Ah ouais, c'est toi qui les as envoyés? Hein? Non, il est allé de lui-même, hein, comme un grand. Putain de Japonais qui a plein de petits navires à la con. Bon, moi, j'ai patrouillé autour du Japon, hein. Hainan est tombé. Déjà? Ouais. Les porte-avions viennent d'arriver, quoi. Il y a sa flotte. Et chope 2 cargos japonais au passage. Ah, tu les as pas coulés, hein? Non, ils ont eu le temps de foutre le camp. Non, j'en ai capturé un. Yusso Sentai, 26, il est à moi. Ah, je suis tombé sur la flotte japonaise avec mes sous-marins. Ah. Ah, les Américains qui viennent d'annuler tous les accords de pétrole avec moi. Oh là là, je suis tombé sur tous les porte-avions. Oh, porte-avions 3 et 4 japonais. Au large de Taïwan. Ah, d'accord, donc leur flotte est là. Ah oui, en effet. Ah oui, je vois ta flotte, ouais, c'est bon. Je vais reprendre mon putain de pays. Je vais leur montrer c'est qui le patron. Ah! Ah, je reçois plus que 64 pétrole, je perçois 172 par jour. Oh, moi 176, pas mal, on est pareil. Ah, putain. Ok, le russe est à la frontière austro-hongroise, c'est parti. Ah ouais, et merde, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non. L'Allemagne est libérale. Ludwig Beck et Karl Friedrich Gördler. Oh, ils ont changé de gouvernement, c'est pour ça qu'ils sont plus dans l'axe. On a Beck, ouais. c'était le mec qui devait être chancelier si... Oui, si Hitler n'était pas voilà. Chancelier. Non, si... Pire, si c'était le mec qui devait remplacer Adolf dans l'attentat du 20 juillet. Ah oui, c'est juste. Il a été exécuté, je crois. Oui, Beck a été exécuté. Il faisait partie des conjurés. Les... Bon, bah... On les prend dans l'Alliance. Ça serait tentant, c'est toi qui peux leur demander, je crois. Non, invité dans l'Alliance, 0% de chance. Ah ouais, non. Ils ont pas trop aimé, là. Pourtant, on a été super sympa avec eux. Ouais, on leur a rendu pas mal de territoire et tout. Ouais. Ah, j'ai fait l'organisation profonde de réparation, ça c'est bien. Putain, c'est... Modificateur de réparation plus 20%. C'est excellent. Dans 10 jours, j'arrive à Luang Prabang. Avec 4 divisions. Luang Prabang, c'est chez moi, ça? Oui. Tu viens pas prendre mes territoires, toi? Bah, je viens les libérer. Oh, une division blindée. Tu vois que t'as, regarde, il y a 8 divisions à iPhone. Ouais, il y a beaucoup, ouais. Faut que je vienne t'aider. Oh putain, il y a des troupes à Hanoï. Beaucoup de troupes. Ouais, c'est que du Manchou. Ouais, mais elles me font mal. Ouais, il y a une division Manchou 41. Putain, elle est belle, la division Manchou, ouais. Je stoppe mon attaque. Ça passe pas. Dès que Luang Prabang est pris, je t'envoie... Il y aura encore 3 divisions qui vont arriver derrière. Super. Des Népalais, quoi. Les Japonais ne sont plus ravitaillés. Où ça? En Indochine. Ah ouais? Ah bah oui. T'es en train de... Ah ouais, t'as bousillé une flotte. Ouais, ouais. J'aime bien parce que j'ai aussi mes bombardiers navaux qui font... Ouais, ouais, non, ils se font... Ils se font violer dans le coin. Hein. Oh, je viens de couler 5 cargos jaunes. Ok, le russe avance abominablement vite. C'est quoi l'autre bonne nouvelle? Y a pas de bonne nouvelle. Le russe est à la frontière grecque. Il merde. Et il souille le grec. Le russe est à la frontière grecque? Oui. Oh! Oh la merde. Pourquoi l'Inde m'envoie ses troupes en prêt? Je sais pas, Elle m'a forcé à les rendre, elle les a repris. Et elle me les envoie, elle reconnaît que c'est moi le patron. Mais qu'est-ce que c'est que ces sodomites? C'est quoi, c'est... T'as vu?
Oh, Luang Prabang, ils se font violer. Je tiens pas à Luang Prabang, hein. Ouais, vas-y, c'est bon. Il y a 12 divisions qui est avec de la... Bon, il y a de la milice, il y a 2 divisions blindées, de la marine. Je recule, hein. Vas-y, moi je vais attaquer à Hanoï. Bon, le japonais, ce qui est bien, c'est qu'il pourra pas tenir sa guerre longtemps. Ah non. L'américain a débarqué à Dalian. Il est en train d'envahir la Mandchourie. Oh putain, ça veut dire qu'il va avoir une frontière avec le russe. Ça, c'est mauvais. Bah non, hein. Tant mieux, hein. Il va ouvrir un second front qui va nous soulager. Ouais. Ouais, c'est mauvais pour le russe. Ah bah ouais. C'est ça que je dis. C'est parti. On va attaquer comme un bourrin à Hanoï. En plus, j'ai le discours de Roosevelt. du 7 décembre, c'est au congrès. La seule fois de l'histoire des États-Unis où ils ont tous voté oui à l'unanimité. À une guerre, ouais. Le gouvernement communiste de Lublin. Truc russe, ça. Ouais. Ils ont pris Varsovie. Oh putain. La menace rouge, la peste rouge arrive. Ouais. L'Austro-Hongrois tient très bien. Le grec aussi. Ouais, je vois. Et l'allemand, avec 400 pp, il va encore faire mal, hein. Ah ouais, maintenant que les 1216 pour le russe, hein. 1216. Ah, il arrive à alimenter son économie de guerre, en fait. Ouais. Après, tu peux déjà poser tes tacs. Tu peux déjà poser ton aviation en Alsace, hein. Je vais mettre des belles bases. Ouais, j'envoie mes BEP déjà. Bon, c'est simple, il y a des bases partout. Je vois, c'est quoi, des niveaux 10? Non. C'est en train de monter. Y a du... Ah, c'est pas assez, hein, 2, 3, il faut plus. Ça monte. Arrête de chouiner. C'est parce qu'on joue trop avec Chouin en Bourguignon. Ouais. Ah, Hanoï, ça va passer. Oh putain, il est culotté, Roosevelt, de dire The unprovoked attack. Ouais, ça, Japan, c'est pas compliqué, ça. Putain, ils l'ont cherché, hein. Et bien en plus, putain, hein. Bon, maintenant, la priorité, ça va être le russe, hein. Mmh. Il faut juste qu'on chasse les japonais du sud, là, de la Chine. Ouais, victoire à Hanoï, ça va passer. Ouais. Oh, il y a 17 bombardiers. On enlève des bouts de viande entiers, en fait. Bon, oh là là. Je ramène mes BEP à Paris pour qu'ils soient recomplétés. Ouais. Le russe approche de Berlin. Oh mon dieu, les légions russes. Oh putain, en plus, j'ai l'international. Regarde, le grec, il avance. Ouais, non, mais on va... Il a pris Bucarest. Il est balèze, le grec, hein, ça. Ouais, bah avec ses levées, il gagne combien après ce 20 divisions, hein. Ouais. S'il survit, ouais, à sa mobilisation, après, il est fort, hein. Ouais. J'ai 93 divisions à la frontière allemande. Ouf, ça suffira pas, je pense. Ah, j'ai beaucoup de charges, j'ai de la bonne troupe, hein. Permettre l'indépendance le 15 août 47 pour l'Inde. De toute façon, ils seront russes en 47, donc bon. Ouais, putain, le rouleau compresseur russe en 42, quoi. Ouais. L'Austro-Hongrois se bat, mais il va craquer, je pense. Et le chinois passe à la contre-attaque. Ouais, j'ai vu. Il a pris Tsang, machin. J'ai bien fait de prendre Hainan. Parce que c'était à la Chine, normalement. Toujours sympa d'avoir une base 10, une base navale 10. C'est pour ça que j'ai débarqué là pour la prendre. C'est un peu mon Hong Kong, tu vois. Voilà. En plus grand. Ouais. Fais chier, j'aurais bien voulu qu'on se partage la Thaïlande, n'empêche. J'avoue, ouais, j'étais parti sur une optique de prendre au moins la moitié. Ouais, parce que rien que pour les 12 de matériaux stratégiques qu'il y a dans le sud, là. Putain, il y a un bastion allemand, là. Ouais, je vois ça, ouais. Oh, c'est... Oh là là, regarde à quelle vitesse avance, il est à Berlin presque. Pouah, ouais. Le russe va avoir les événements pour relâcher la RDA et tout. Ah putain, ça serait bien.